les systèmes polyculture-élevage de Picardie, l'installation en agriculture biologique n'est pas monnaie courante. Les rencontres d'agriculteurs bio et les visites de fermes sont souvent déterminantes pour le démarrage d'un projet en bio. Un accompagnement personnalisé permet de bien préparer et de faciliter cette étape d'installation et de conversion. Je suis installé donc avec Damien, mon frère, sur une exploitation de polyculture élevage. Donc on cultive 115 hectares environ. Nous avons une quarantaine de mères et la suite, ce qui représente une centaine de têtes à peu près. Et puis nous élevons des porcs, nous engraissons des porcs sur place. Et le gros de l'activité en fait est de la vente directe de viande avec livraison à domicile aux particuliers. On a commencé donc la conversion d'agriculture biologique en mai 2012. Donc sur la totalité de l'exploitation, que ce soit sur les cultures et sur l'élevage. Damien a plus en responsabilité l'élevage. Et puis tout le travail administratif qui va avec. Et moi, je m'occupe plus des cultures, de la vente directe, de la partie commerciale, etc. Notre projet de passer en agriculture biologique a été vraiment très important au moment de l'installation. Parce que certes, c'est techniquement et économiquement difficile, mais c'est le meilleur moment pour le faire parce que, en fait, on n'a pas le recul que certains peuvent avoir. Ça permet de tout de suite se mettre dans le bain de l'agriculture biologique. Pour moi, la bio, c'est quelque chose de très intéressant. On remet complètement en cause nos pratiques habituelles. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau du SMI dans la pratique actuelle. C'est plus sur l'année où en fait, on va se débrouiller pour gérer notre rotation, pour limiter l'enherbement des parcelles. Nous avions fait 2 ans avant notre installation une visite d'exploitation organisée par la BP et la Chambre d'agriculture, donc une exploitation bio en polyculture élevage qui nous a permis un peu de découvrir ce qu'était que l'agriculture biologique, avoir des premières idées de ce que ça pouvait être. C'était un projet qui a été très bien apprécié par la famille et ils nous ont soutenus et même conseillés parfois sur les choix de projets qu'il y avait à faire sur l'exploitation. Et ce soutien-là était très important. Juste, on a pris contact donc avec l'ABP pour faire des formations pour nous se former sur l'agriculture biologique. Que ce soit au niveau de l'élevage, au niveau des cultures, etc., c'est de devoir anticiper, prévoir en avance ce qui peut se passer pour justement éviter que ça se passe. Je parle par exemple de gérer la rotation pour éviter justement les problèmes d'enherbement, etc. Au niveau de l'élevage, de travailler beaucoup plus en préventif qu'en curatif. Et voilà, c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de la bio, quoi. Ça reste toujours un peu, de la stratégie, etc. Et c'est très intéressant. Je suis très heureux d'être passé en agriculture biologique. Je trouve que ça nous demande énormément de technicité, d'améliorer en permanence notre façon de faire. Et c'est un vrai bonheur de sortir un produit de qualité. Et ça, c'était notre volonté pour notre clientèle, pour la vente directe. Et aussi pour nous, dans notre travail quotidien, d'être respectueux de l'environnement. Ça c'était notre souhait. Si on y arrive, et on va y arriver, on donnera une bonne image de l'agriculture biologique. Et enfin, ça va pouvoir prendre de l'ampleur, j'espère, dans l'agriculture.